Salut à tous, c'est Jolat. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va tester le nouveau Five Nights at Freddy's. Vous avez été nombreux à me le recommander dans les commentaires. Donc en fait c'est un jeu réalisé par un fan de la série. Donc déjà un gros GG à lui. Et bien sûr je vous remercie tous pour me proposer des jeux dans les commentaires. Je les lis tous, ça fait super plaisir. Allez let's go, on lance ça. Bien sûr, casque à fond sur les oreilles. Ok. Mon dieu que c'est réaliste. L'animation du personnage et tout, c'est excellent. Alors du coup, le but du jeu... Salopard. Le but du jeu, ça va être de survivre eh bien, le plus longtemps possible face à un monstre de Five Nights at Freddy's. Qui va se trouver dans le coin. Oh putain, il est déjà là, le bâtard. Saute. Je me casse. Pouh. Il est là, à l'une tête. Ça commence bien. Ok, ça commence bien. J'ai triché. J'ai enlevé mon casque. J'ai triché. J'avais pas le droit d'enlever mon casque, normalement. La prochaine fois, je l'enlèverai pas. Mais je vous assure que ça fait peur, franchement. Attendez, vous avez vu le machin qui vous court après, quoi? C'est horrible. C'est horrible. Donc, je vous disais, ouais, le but du jeu va être de survivre le plus longtemps possible. Ce délire, mon vieux. Attends, on voit rien, mon vieux. T'avances dans un brouillard épais, quoi. C'est quoi, ce délire? C'est Brume Simulator, le bordel, quoi. Vous l'écoutez? Il est en face. Allez, avance! Il est où? Écoutez, on va essayer de survivre le plus longtemps possible. Alors pour l'instant dans le jeu il n'y a que un monstre. Mais peut-être que par la suite il va rajouter tous les monstres qu'il faudra survivre plusieurs jours comme les autres Five Nights at Freddy's. Oh putain, vous croyez qu'il est par là? Je l'entends. Il est là. Il est là, j'enlève pas le casque. On a dit j'enlève pas le casque. C'était un réflexe, désolé pour enlever le casque, c'était un réflexe. Oh putain, en tout cas comment que c'est bien fait niveau ambiance, je vous jure. Comment que ça fout les chiottes à mort. L'animation du personnage et tout, mais c'est ultra réaliste. Mais franchement, enfin, moi personnellement, mais je trouve ça encore plus effrayant que tous les Five Nights at Freddy's d'avant, quoi. Imagine le jeu avec tous les monstres de Five Nights at Freddy's. Où faut survivre plusieurs nuits et tout. Mais je te raconte même pas la crise cardiaque, quoi. Regardez, il doit être là. Non? C'est pas sa torche, ça? Bonsoir. On dirait qu'il me cherche. Bonjour. Bonjour mon jeune ami. Je vous jure, il va me sauter dessus si j'avance. Attends, il est aveugle ou comment ça se passe? Tu fais exprès, non? Écoutez, je m'approche. On n'est pas des tapettes. Bonsoir. Il est bugué, les gars, je crois bien. C'est délire. J'ai cheaté le jeu. Ah, c'est bon, on l'a fini. Oh, le cri de femme que je viens de pousser. Désolé pour les oreilles, désolé. Oh, ce délire. Attendez, mais regardez-le, j'ai cheaté le jeu, il était complètement bugué. Ok, d'accord, donc faut éviter de s'en approcher. Écoutez, cette fois-ci, on va essayer de survivre. On va pas faire les imbéciles. Où est-ce qu'il est? Il est déjà là! Dégage! Dégage! Il est
déjà là. Oh putain, vous l'entendez courir derrière? C'est un truc de malade. Je l'ai semé. Je l'ai semé. Oh non! Je l'ai pas semé. Oh putain. Comment c'est stressant à mort. Ce délire. Il est... Ouah, il est là. Ah, je vous jure, c'est stressant quand il vous court après, c'est un truc de malade. Dégage. Bas des rétros, Satanas. Il est où? Oh putain, il arrive, il arrive. Attendez, mais imaginez 4 monstres qui vous courent après comme ça. Mais c'est juste un truc de malade, quoi. C'est pas possible. On le sème. On le sème. Vas-y, je le sème. Vas-y, vas-y, je vais me planquer par là. Il est où? Je l'ai semé. Je crois qu'on l'a niqué, les gars. Ouh, on l'a pas niqué. On l'a pas niqué. Oh putain, il est derrière, regardez l'ombre, il est derrière. Oh le salopard. Ah, c'est bon. Je crois que c'est bon cette fois. Oh, regardez. Il est là-bas, il est là-bas. Je vois la torche. Oh, il est là, le salopard. Attendez, je pense qu'il va pas me voir. Il va passer à côté. S'il me voit, c'est cheaté. S'il me voit, c'est cheaté. Arrête. Non, non, t'as pas le droit de me voir. Oh, regardez comment que... Regardez comment que c'est ultra battant, quoi. Non. Oh, le délire. Je me casse. Je me casse. Oh. On l'a semé, les gens. Il est devant ou derrière? Oh, j'ai fait un appel de phare, le salopard! Je me casse! Je me casse! Il est derrière? Oh putain, il est derrière, le salopard! Salopard! Je me casse! C'est bon, c'est bon! Oh, c'est bon! Et franchement, en plus, je pense qu'ils ont pris le monstre le plus effrayant pour le jeu là. Je pense, hein. Ah, moi, comment que ça m'aurait fait bader s'ils auraient pris le petit pantin, là. Oh. Vous savez, le petit pantin dans Five Nights at Freddy's, là. Il y en a un tout petit, là, un genre de Pinocchio, là. Comment que ça m'aurait fait bader. En tout cas, franchement... Oh, comment que ça va être trop bien s'il sort... S'il sort d'autres personnages et tout. Mais putain, il est bloqué! Il était censé être bloqué, merde! Non? Bon, en tout cas, comme vous aurez pu le constater, il n'y a vraiment aucune échappatoire pour le moment. Donc le jeu est tout juste en alpha. J'espère qu'il va continuer à développer son jeu, en tout cas. Et franchement, je pense que ça va être une grosse tuerie. Je pense que ça va être le nouveau Five Nights at Freddy's. Nouvelle génération. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas la partager? Ça me ferait plaisir. Encore merci à vous tous de me proposer des nouveaux jeux dans les commentaires. Je les lis tous et je les ferai, les jeux que vous me proposez. C'est juste que je ne peux pas tout faire en même temps pour le moment. Par exemple, vous avez été nombreux à me proposer le jeu Tube Tycoon, j'en ferai une vidéo très prochainement. Encore merci à tous, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye!